Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite review d'un effet qui s'appelle Inject 2 de Greg Rostami. Donc, c'est une application installée sur votre téléphone qui coûte 70 euros sur l'Apple Store. Donc, ça peut vous paraître élevé, mais il faut savoir que pour moi, c'est la meilleure application de magie. Donc, faites-moi confiance, c'est vraiment une bombe ce tour. Et donc avec cette appli-là, vous pouvez faire au moins 15 effets différents. Donc c'est un vrai couteau suisse. Vous avez plein d'effets différents, tous plus forts les uns que les autres. Je vous garantis que ça vaut vraiment le coup, qu'après, quand vous aurez dépensé vos 70 euros, vous n'y penserez plus. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche vraiment. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien pour faire ces effets-là. Il faudra que vous achetiez l'application. Donc ça ne sert à rien que je vous explique. Remarquez si je pourrais vous expliquer, mais je n'ai pas trop envie pour ce tour-là. Donc, je vais vous faire une démo. Donc, je vous ferai plusieurs effets. Vous verrez. Là, on va commencer par un effet qui s'appelle ACAP. ACAAP. Que j'adore. Et je vous ferai d'autres vidéos où je vous montrerai d'autres tours. Donc, ACAP. Donc, je vous fais la démo. Vous allez voir, c'est super bien. Donc, vous demandez le téléphone à un spectateur. Et vous allez taper une adresse. C'est un hébergeur d'images. Et sur cette adresse-là, sur cet hébergeur d'images, vous avez plein d'images. Vous avez hébergé 52 photos. Donc elles sont toutes différentes. Donc vous demandez à la personne de slider avec son doigt. Elle va choisir une image au hasard, voyez. Mais retournez le téléphone comme ça. Donc elle ne verra pas sur quoi elle tombera. Vous voyez là, je slide. Par exemple, je tombe sur quoi? Peace. Je slide. Là, je tombe sur un piano. Vous voyez, c'est vraiment le hasard, ça peut tomber sur n'importe quel objet. Donc vous demandez au spectateur de slider les images et de s'arrêter quand elle le désire. Donc moi je slide comme si j'étais le spectateur, vraiment au hasard. Et dès qu'elle a fini, vous lui dites de poser le téléphone, on verra après ce qu'elle aura choisi plus tard. Ensuite, vous prenez un jeu de cartes. Donc là c'est un jeu de cartes normal de 52 cartes que vous allez étaler comme ça. Et vous allez demander au spectateur de choisir une carte, la carte qu'il veut. Peu importe, n'importe laquelle. Vraiment, le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Donc, imaginons, elle va dire, je vous dis au hasard, hein, l'as de pique. Donc, elle choisit l'as de pique ici. Donc là, le spectateur a choisi l'as de pique et vous lui faites remarquer que derrière chaque carte, vous avez écrit un mot. Donc, je vous montre, sur cette carte-là, j'ai écrit fille, grenouille, lunettes, locomotive, pisse. La terre, fumée, téléphone, chaussettes, avion, tous les mots sont différents. Vous voyez, je vous les montre. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, parce qu'il y en a 52, mais ils sont tous différents. D'accord? Derrière chaque carte, il y a un mot différent. Okay. La personne, on va regarder sur quelle image s'est arrêtée la personne. Donc elle s'est arrêtée sur une abeille, il me semble. Donc elle s'est arrêtée sur cette photo-là. La personne a choisi une carte dans le jeu, n'importe laquelle. Et au dos de cette carte-là, il y a un mot, évidemment. Et si on retourne la carte, on s'aperçoit qu'il y a marqué abeille. Donc voilà, c'est vraiment une coïncidence incroyable. Donc voilà, ça c'était le tour ACAP. Donc vous voyez, c'est franchement, moi je trouve que c'est vraiment très fort comme effet. Donc voilà, c'était le tour ACAP de Greg Rostami, que vous pouvez trouver dans Inject 2, l'application. J'espère que ça vous a plu et je vous ferai d'autres démos un peu plus tard. Merci à vous.